timu yake. Pambano limeanza. Redresser sa situation comptable dans la poule A, c'est ce que le TP Mazembe a réalisé ce mardi 9 juillet au stade de Kigali. Les Kobos ont battu les Tanzaniens de KMC Football Club 1-0, but du capitaine du jour, Kevin Mundeko, qui reprenait un centre sur le flanc gauche de Zolarsen à la 61e minute. Peu avant ses buts, l'équipe congolaise a rarement visité la cage du portier Juma Kaseja. Il ne fallait surtout pas compter sur le sifflet kenyan de M. Anthony Aguayo, qui voyait autre chose qu'un pénalty pour Giovanni Ipami, qui pourtant déstabilisé en pleine surface de réparation par la défense du noir-orange. Et c'est en deuxième période du match que Mazembe va passer à la vitesse supérieure, cherchant à rattraper le retard au score sur l'ensemble de deux matchs. Jackson Muleka et Isaac Chibangu sont injectés dans la bataille. Le secteur offensif de Mazembe révit et multiplie des incursions dans les camps de coéquipiers de Janvier Bessala. Et cela va s'avérer payant car la différence sera faite sur le centre de Zolarsen que Kevin Mundeko va contrôler en déroutant le portier adverse et marque 1-0 pour Mazembe. Halidana ameweka kwa kichwa pale. Mbona alivyoingia kweli kweli. Huyo ni nahodha wa timu ya TP Mazembe. Yeye ni beki. Cependant, toute fin de match, KMC sera inarrêtable. Ses joueurs offensifs, Ramadan Ikapera et Kelly Ali, seront empêchés de scorer à leur tour par Kevin Mundeko qui protège là son but du jour. Bakula étant battu, mais le dernier rempart de TP Mazembe va s'illustrer à la dernière seconde de la minute additionnelle en détournant en corner le tir de Ramadan Ikapera. 1-0, score final, le Kobo empoche leurs 3 premiers points du tournoi et joue déjà ce jeudi leur dernier match de poule contre le Sud-Soudanais d'Atlabara.